Madame le maire, messieurs et mesdames les conseillers municipaux, mesdames et messieurs, avant d'évoquer, si vous voulez, le pourquoi de cette commémoration, j'aimerais, au nom des Amis du patrimoine napoléonien, en présence de notre président Daniel Poisson, président fondateur, acharné de défendre lui-même et de sauvegarder la mémoire de nos ancêtres, alors que le contexte actuel est plutôt à l'oubli, et de membres de notre association, j'aimerais remercier Madame le maire et son conseil qui nous ont apporté son aide en partie et qui, en plus de ça, ont accepté systématiquement cette petite manifestation. J'aimerais aussi remercier Madame Renaudot qui m'a aidé et qui est membre des APN et qui m'a aidé dans certaines recherches. Je la remercie également. Et puis, j'aimerais aussi quand même encore remercier une fois de plus nos musiciens et nos reconstituteurs qui le méritent bien. Et après ça, une petite explication, si vous voulez, historique. Napoléon III, le neveu de notre premier empereur, Napoléon Ier, crée le 12 août 1857 une nouvelle médaille en remplacement de toutes celles qui avaient été créées par les différentes amicales en l'honneur des survivants des guerres de 1792 à 1815. Et cette médaille, qui sera en bronze, a été gravée par Albert Barre et est en bronze. Elle porte d'un côté l'effigie de Napoléon Ier, ce qui est normal, et à l'avers, c'est marqué la légende suivante, campagne de 1792 à 1815, à son compagnon de gloire, son dernier souvenir, sa dernière pensée, 5 mai 1821. C'est-à-dire, 5 mai 1821, c'est le jour de la mort de Napoléon Ier à l'île de Sainte-Hélène. Et cette médaille s'appellera donc la médaille de Sainte-Hélène. Et en fait, c'est pour rappeler les noms de ces survivants, qui sont peut-être vos aïeux, vos ancêtres, que les Amis du patrimoine napoléonien vous ont voulu honorer, si vous voulez, ces braves qui ont combattu pour défendre la France contre des coalitions sans cesse renouvelées par la pose d'une plaque commémorative en l'honneur justement de ces médaillés de Sainte-Hélène qui étaient survivants donc en 1857 dans votre petit village. Et Madame le maire, avec les descendants, parce qu'on en a quand même trois qui sont des descendants, l'un de Simon, qui est Monsieur Christophe Bourdier, que l'on connaît bien dans la région, qui est un nom, c'était votre grand-oncle, grand-oncle de Simon, et les deux autres descendants de Monsieur Veillard, qui était, et donc un est à Annecy et l'autre habite à Chartres. Vous voyez, donc on retrouve malgré tout des descendants, et ça fait plaisir, si vous voulez, d'honorer la mémoire de tous ces descendants, et en même temps de leurs ancêtres qui habitaient ici. Et ici, on avait quand même un avantage pour un petit village comme ici, vous aviez quand même quatre survivants en 1857 de campagne napoléonienne. Voilà. Et, venez avec nous. Peloton, garde à vous le peloton. Bon, Rosa. Roulement. Allez-y. Ensemble. Présentez vos armes. Veillons au salut de l'Empire. Ah.
la victoire en chantant. Nous louons la barrière, la liberté qui nous rend. Et le temps sublime, la trompette de guerre, sonne l'heure des combats. Tremblez les ennemis de la France. Je vais rappeler quand même les quatre médailles.